C'était News One. One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. One. Ma compassion à nos frères et sœurs de Bukavu, parce que ce qui est arrivé à Bukavu démontre déjà qu'on a un gouvernement irresponsable. S'il n'y a même pas de camion anti-incendie dans la ville de Bukavu, c'est vraiment très triste. Donc, au lieu qu'on s'occupe de la population, on est en train de s'occuper de Moïse Katumbi. Donc, nous allons agir, nous n'allons pas laisser nos frères souffrir comme ça. Nous allons dépêcher une délégation de notre regroupement politique jusqu'à Bukavu. Moi, je suis un homme qui aime les défis. J'aime beaucoup les défis. Et je suis un homme très heureux aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'histoires. Et surtout, je suis très heureux parce que le troisième faux penalty n'a pas été marqué. J'avais parlé de ça, c'était le 23 décembre 2014 à Lubumbashi. J'étais encore gouverneur. Donc aujourd'hui, M. Kabila a choisi son dauphin. Donc pour moi, c'est une grande joie. Il n'a pas pu marquer le troisième faux penalty. Vous savez, d'abord, le président Kengo a parlé de l'inclusivité des élections. Il n'a pas parlé que de Moïse Katumbi, il a parlé d'autres candidats. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse exclure aussi d'autres candidats, parce que la machine est en marche chez nous au pays. Et Moïse Katumbi n'a pas besoin d'être amnistié parce que je n'ai rien fait. Vous savez, Moïse Katumbi est très tranquille. C'est lui qui passe de moments difficiles. C'est le FCC, M. Kabila, parce qu'ils n'ont pas pu marquer le troisième faux penalty. Et je remercie mes frères de l'opposition. Mes frères à moi, il y a Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayou et les autres. Donc pour moi, soyez sûr, monsieur le journaliste, je suis très fort pour le moment et je vais me battre jusqu'à la fin. Ils ont parlé d'un soi-disant fugitif, M. Moïse Katumbi. Un soi-disant fugitif veut rentrer dans son propre pays. Je suis allé jusqu'à Kasumbalé, ça je fais la route. Et c'était pendant la journée, c'était pas pendant la nuit. Aujourd'hui, je crois que mes images ont circulé dans le monde entier. Donc, j'étais bel et bien à Kasumbalesa. Peut-être M. Mende me cherchait dans son petit village là. Là, il ne m'a pas vu parce qu'il n'y a pas Internet là-bas. Peut-être il était là à ce moment-là. Donc, le plus important pour moi, c'est de retourner au pays. C'est de retourner au pays. Et je vais rentrer au pays. Donc, je suis libre, je suis Congolais. Je vais rentrer chez nous. Un jour, donc bientôt là, je vais rentrer chez nous. J'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter. Donc le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens, parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens. Si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. On devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'œil d'accoucheuse, là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés.
Donc, je suis congolais. Ces mandats, c'est une distraction. C'est parce qu'aujourd'hui, le grand problème, ils ne savent pas comment organiser les élections. Donc, ils veulent distraire la population. S'il y a un mandat d'arrêt, si le procureur de la République qui va me suivre peut faire un mandat d'arrêt contre M. Tambwe, lui qui avait ordonné d'abattre un avion, là, je serais d'accord que la justice existe au Congo. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïre, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là, sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvés au pays, ne cherchez pas de poule là où il n'y en a pas. Le plus important pour nous, c'est redresser l'économie de notre pays. Le seul problème, c'est quand je parlais du respect de la Constitution. Donc, quand je parlais du troisième faux Pelnati, les historiens écriront ça un jour dans notre pays. C'est un grand jour. Au lieu de donner de congés inutiles dans notre pays, les gens se souviendront un jour de ça. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être lui a des problèmes avec moi. De toute façon, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, ils sont en train de faire ma campagne. Pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi? Je suis un poids lourd. Si je n'étais pas un poids lourd, il y a des gens, quand j'avais quitté, quand j'avais démissionné, il y a des gens ici en Europe qui m'appelaient collabo. Est-ce que Moïse Katumbi est collabo? À ces gens-là de répondre. Il a choisi un dauphin, ce qui est une bonne chose. Mais le dauphin aussi doit me féliciter, parce que si je n'avais pas parlé du troisième faux Pelnati, il n'y aurait pas de dauphin de l'autre côté. Donc il a eu de la chance parce que je parlais du troisième faux Pelnati. Et je me suis bâti à l'extérieur. Combien de fois j'ai été à Addis Abeba? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les selfies. Et cet acharnement pour moi me fait plaisir. Au contraire, quand on m'attaque chaque jour, ça me donne la force de me battre et de continuer. Je suis un battant. Je suis fier de ce que je fais quand j'étais gouverneur. Je marche la tête haute aujourd'hui parce que je savais ce que je faisais. J'étais venu aider les Congolais. C'est pourquoi quand je dis que j'allais postuler, je savais qu'on allait m'attaquer. Mais on n'allait pas me détruire, parce que Dieu me protège. Celui qui trahit la Constitution, c'est un traître. Je n'ai trahi personne, ma conscience est tranquille, et je suis très content d'avoir quitté. Parce que, même quand j'étais avec eux en interne, quand je parlais du troisième faux Pelnati, mais j'étais gouverneur de la plus puissante province de la République démocratique du Congo, j'ai contribué de plus ou moins 50% du budget national. Si vous lisez les écrits, même à l'époque de l'histoire, le roi Léopoldé disait, si vous n'avez pas le Katanga, vous n'avez pas le Congo. Mais je suis allé démissionner. Pourquoi? Pourquoi j'ai démissionné? Parce que je ne voulais pas trahir le peuple congolais. Si je savais qu'il allait s'accrocher, je ne pouvais pas faire campagne pour lui. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais un homme, c'est quoi? Quand vous êtes avec des gens et que vous voyez que ces gens vous amènent vers la mort et vous ne pouvez pas faire marche arrière, là, vous avez un problème. Il y a des gens qui ne savent même pas compter de 1 jusqu'à 100, mais où est-ce qu'ils ont trouvé les 100 000? Donc ça, c'est un grand problème. Mais de toute façon, le poids lourd, soyez sûr, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Matungulu,
nous allons nous mettre ensemble, nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Mais tout n'est pas fini. Donc on ne doit pas être distrait. Ne soyez pas distrait pour de faux procès contre Moïse Katumbi ou pour un mandat d'arrêt international. Mais je suis avec vous ici. Ça, c'est la distraction. Allons à des choses concrètes. Les élections. Comment est-ce que nous allons gagner ensemble? Parce que cette victoire, c'est une victoire de la population congolaise. La population congolaise a lutté. La population congolaise a dit non à Kabila pour son troisième faux penalty. Donc, le plus important pour moi, c'est remercier cette population. Elle doit rester vigilante parce que la victoire, elle est certaine. Et le changement est certain dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était News One. One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. One.